et ses hommes ont lancé une série d'activités visant à créer un cadre sain afin de bien mener leur mission. Agir sans détour, aller droit au but dans un premier temps, occuper les locaux et redonner au commissariat de Kidal son vrai visage. Comme l'indique la plaque à l'entrée déjà, et cette cérémonie de montée des couleurs nationales. Nous avons été envoyés ici par les plus hautes autorités pour servir cette population malienne. Et pour ce faire, il fallait se munir vraiment de tout ce qui est nécessaire pour une reprise immédiate. Sont de hier et aujourd'hui, on a directement procédé à la montée des couleurs. Les éléments sont en patrouille. Et c'est la patrouille pédestre. Les éléments sont désignés aussi au niveau des différentes sorties. Donc l'opérationnalisation du commissariat a commencé depuis notre arrivée. Les défis sont immenses pour les hommes du général de brigade Daoud Ali Mohamedine, mais l'équipe a un moral d'acier, d'où la satisfaction du maire de Kidal. Je suis à Kidal pour servir ici et je suis fier aussi d'être ici. Dans notre corps, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est la mission qui compte. Crise, on veut oublier. Et pour l'oublier, il faut rapidement se mettre à l'œuvre et donner aux citoyens, n'est-ce pas, l'impression que les choses ont repris. Elles ont repris de manière normale et définitive. Donc c'est pour ça qu'on demande au commissariat d'avoir tous les éléments, tous les outils, n'est-ce pas, pour satisfaire, n'est-ce pas, les populations qui vont venir, la recherche des cartes d'identité par exemple. Ça c'est très important. L'opérationnalisation du premier arrondissement de la 8e région est une occasion pour les Kidalois de renouer avec la paix du Caire.